Bonsoir à tous. Comme on a fini Bullet un peu rapidement et un peu tôt, j'ai décidé de vous faire un autre live sur Amazonie, Trek Amazonie. À l'époque, j'avais déjà fait une vidéo sur le jeu, mais j'étais pas aussi bien préparée comme ça au niveau du live. Donc là, je vais refaire un live sur ce jeu. Aujourd'hui, je vais jouer contre Max. Donc Max, c'est l'adversaire virtuel. J'ai hésité à jouer contre lui parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, les feuilles sont toutes petites. Et c'est déjà difficile de gérer pour moi toute seule ma feuille à moi, mais gérer moi et Max. J'ai hésité, mais finalement, on va jouer contre Max. Même si l'important là, ce soir, c'est pas forcément de gagner, de battre Max. L'important ce soir, c'est d'essayer de repérer 12, enfin, avoir 12 observations d'animaux. Encore une fois, je vais pas forcément expliquer les règles de Trek Amazonie, parce qu'il y a des vidéos qui le font très bien. Donc, on va commencer directement à jouer. Et on va voir comment je vais me débrouiller. Comme c'est tout petit, encore une fois, il va falloir que je me rapproche de ma feuille, etc. Je m'en excuse d'avance, même pour remplir Max. Donc voilà. Donc on va y aller. En fait, pour être sincère avec vous, j'ai déjà fait, parce qu'en fait j'ai. Où sont-elles? Elles sont derrière Max. J'ai déjà beaucoup joué. J'ai fait déjà beaucoup de parties. Et j'ai déjà fait en fait l'objectif qui est attendu de faire 12, 12 observations d'animaux, mais je voulais essayer de le faire en live pour ensuite ouvrir ça en live, même si bah, ça vous dévoile un petit peu le contenu du jeu. C'est pas grave, moi j'avais envie de me faire un souvenir en me disant bah, je vais essayer d'ouvrir ça en live. Donc on va essayer de faire 12 observations, même si je bats pas Max, c'est pas grave. Je veux surtout essayer d'ouvrir l'enveloppe. Donc on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un 0 et un 1. Donc Max il prendra forcément le 1. Ah oui, pardon, j'ai oublié de révéler du coup ça. Donc là on a un 6, là on a un 0 et là on a un 3. Ok. Bah écoutez, moi je pense que je vais prendre le 0 du coup. Alors attendez, il faut juste que je me rapproche pour voir ce que je vais prendre. Moi je vais prendre la plus petite valeur pour prendre un 0. Donc où est-ce que je mets mon 0? Je vais mettre mon 0 ici. Donc Max, il faut qu'il mette la même chose, le 1 lui, au même endroit. Donc il met son 1 ici. Et comme moi j'ai mis 0, hop, on va révéler l'animal en 0, c'est la grenouille. Donc pour l'instant je gagne 0 points. Donc je vais me prendre ma petite feuille. Et alors moi ce que je fais, comme je vois pas très bien, en fait je coche. Et à la fin je verrai en fonction du nombre de coches combien je rapporte, ça me rapporte de points. Donc c'est bon, on y va, on relance. Encore un 0 et un 2. Donc on va faire une multiplication. Ouais, d'ailleurs, j'aurais dû faire une multiplication tout à l'heure. 0 fois 2, ça fait 0. Donc là, je vais cocher ça ici. Et je vais mettre un autre 0 ici. Et l'autre va mettre un 2 ici. Max va mettre un 2 ici. Ok. Alors ensuite, là, je fais un 1 et un 4. Donc là, je vais mettre une soustraction, je pense. Mince, c'était un 1. Je remets un 1. Un 1 et un 4. Moi, je vais faire une soustraction. Donc ça va me donner un 3. Que je vais mettre ici. Et lui, il va avoir un 4. Qu'il va mettre aussi ici. Ok. Et comme moi, c'est un 3, je vais révéler ceci. Une sorte de perroquet et je gagnerai 2 points pour l'instant. Donc je vais mettre un 3 ici et je coche une première case. Ok. J'ai un 4 et un 2. Donc là je vais faire une addition pour faire 6. Et mon 6, ah ouais, mais du coup 4, 5, 6. Je vais le mettre ici. 6 ici. Et lui, du coup, il va mettre un 4 ici.
c'est bien. Au moins, ça lui donne pas trop d'avantages pour l'instant. Donc, moi, ça fait... j'ai dit que j'avais 6. Hein. 4 et 2, 6. Donc là, hop, on va faire un 6. Et on coche. Il m'en faut 12. Hein. Ouais, il faut que je fasse 12 visualisations ici. Donc, 12 observations, pardon. Alors, j'ai un 4 et encore un 2. Eh ben, écoutez, on va encore faire une somme, je pense. Hein. 4 moins 2, 2. Ouais, on va faire encore plus. Hein. 6. Hop. C'est mon deuxième 6. Et je vais mettre ce 6 là, ici. Et du coup, là, ce sera un 4 encore pour lui. C'est ça, oui, que je vais mettre ici. Ok. Ok, allez, c'est parti. 5 et 2. Je vais faire une soustraction. Donc une soustraction, ça fait 3. Ah ouais, d'accord. Bon, on va faire ça. Je vais mettre le 3 ici. Donc je coche encore du 3. Et du coup, je te l'ai mis où? Ici. Donc toi, tu vas prendre un 5. Ici. Et comme tu as un 4 au-dessus, on va faire un petit trait. Ça fait un chemin entre le 4 et le 5. Donc lui, il a une suite. Ils ont pas roulé, attendez. Parce que... Voilà, je préfère au moins entendre le bruit que ça roule. 5 et 3. Donc ça ferait un 2. Ça ferait un 15. Un 5 ou un 3. Ouais, je vais prendre la plus petite valeur. Ça me fait encore un 3. Je vais mettre là. Hop. Donc le 3, encore une fois, je coche. Ça me fait 7. Et toi, du coup, ça te fait un 5 que tu vas mettre ici. Ah ouais, ça te fait 2 5 à côté quand même. Ok. D'accord, on relance. Voilà, ça a roulé. 1 et 5. Voilà, je vais faire une addition. Il faut que je fasse attention. Ouais, c'est pas grave. On va faire encore une addition. On va faire un 6. Du coup. Donc, mon 6, je le mets là. Hop. Et du coup, lui, je mets un 5. Là. Et 4 et 5, ça va ensemble. Et là, 4 et 5, ça va ensemble. Et là, 1 et 2, ça va ensemble. Ok, bon, il a pas mal de choses, lui aussi quand même. Hein. Donc, hop, c'est parti. 2 et 0. Bon, on va quand même prendre la valeur la plus grande quand même, on va prendre un 2. Il faut quand même que je puisse hop, mettre un bateau. Je peux donc parce que c'était une case avec un petit bateau, donc je vais prendre mon 2 et le mettre dans l'eau. Donc le 2, je le mets là. Et lui, il sert un peu à rien, son 2. Alors ça a fait quoi? 2 et 3. 2 fois 3, ça fait 6. Ou alors je prends... ouais, on va faire ça. 2 fois 3, 6. Donc 6. 6 ici. Hop. Donc 2 et 3, là, j'ai oublié de regrouper. Mon 6, je vais le mettre... j'ai pas trop le choix en fait. Je vais le mettre ici. Et donc lui, ça sera un 3 que je vais mettre ici. Et il peut s'accrocher aux deux. Ok. Alors 4 et 1, 5. On va faire moins.
4 moins 1, ça fait 3. C'est ça, hein? 4 moins 1, ça fait 3. Que je vais mettre ici. 3. Tac. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et là, toi, ça sera un 4 à côté ici. Ah ouais, bah en plus, toi, ça t'arrange. Hein. Ok. Ok. Voilà, je pense que j'ai pas beaucoup de points par rapport à Max. C'est quoi ça? Ça c'est un 5 et ça c'est un 2. On multiplie, ça fait 10. La valeur max c'est un 5. Ça pourrait faire 5, 6. 5, 6. On a encore un peu le temps, donc on va faire, ouais. On va faire la valeur max, on va mettre un 5 ici. Donc je valide la valeur max. Donc 5 ici. Et lui, c'est aussi un 5, du coup, que je vais mettre. Oh là 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 là, lui, ça lui fait un max de points. Hein. Un 5 ici, hop là, c'est pas grave. Alors, 0 et 3. Bah on va faire un... Bon, on va faire un 3. Ici. Donc, encore un 3. Je fais ça. Alors, toi, tu vas avoir aussi un 3. Ici. Qui sert à rien, lui, par contre. Est-ce que ça a roulé? Je suis pas sûre. Écoutez, on va encore prendre la valeur max et ça sera un 6. Valeur max, un 6, donc du coup je peux en mettre un 6 ici. D'accord. Et lui aussi va avoir un 6 ici. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Et par contre, moi, comme c'était encore un 6, je pouvais cocher un 6. Et là, je crois que j'ai 12. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, bon, niveau observation, c'est bon. C'était 12, hein, c'est ça qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Donc, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur le jeu maintenant, on va dire. 1 et 2, ça fait 3. Donc, soit je prends la valeur minimum, le 1. Non, je vais multiplier, ça fait 2. Ça fait 2, je vais multiplier. Donc ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Et je vais mettre ça là. Je vais mettre un 2 ici. Et donc lui, il va avoir aussi un 2 ici. Et lui, en plus, ça lui fait ça. C'est pas terrible, terrible tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 2 et un 0. Bon, on va mettre un 2 ici, hein, pas le choix. Non, il va pas là le 2, pardon. Il va aller ici le 2. C'est une valeur max, donc je voulais le mettre là, mais en fait je vais le mettre là pour faire un groupement. Et voilà. Et comme ça, en plus, ce 2-là, il peut aller avec ce 3-là. C'est parfait. Et du coup, là, c'est pour lui, ce sera aussi un 2 qui va ici. Ah, il aussi, il va avoir un regroupement de 2, là. C'est pas terrible. Allez, on y va. Alors, 1 et 5. Est-ce qu'on ferait pas l'addition? Ça ferait quand même un 6. Mon 6 que je pourrais mettre là. Ouais. Plus. Donc je mets un 6 ici. Du coup, je coche encore un 6. Donc je te mets un 5 ici. Qui va avec le 6 qui est là. Non, mais non, il va pas avec le 6 qui est là puisque... Il est déjà raccroché à un autre 5. Ok. Ensuite.
3-4. Je pense que je vais prendre du coup. Ah, je peux pas prendre la valeur max. Donc, soit je fais un 1, soit je fais un 12, soit je prends un 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un 3 ici. Donc là c'est un 3, ça se voit pas bien, mais du coup c'est la valeur la plus faible. C'est un 3 ici, du coup toi tu vas avoir un 4 à sa place. 4, est-ce que 2, 3, 4. Ah non, tu vas pas avec ça. Donc tu peux faire 2, 3, 4 comme ça. Ah, il va avoir des points max. Hein. Il va avoir des points. 1 et 6. Multiplication. Comme ça, je mets un 6 ici. Toi, je te mets un 6 ici. Et donc là, en fait, ça va avec ça. Hop là. Je préfère envoyer comme ça. 3 et 1. Je vais faire la soustraction. Comme ça, ça me fait 2 que je mets ici. Comme ça, 3 et 2 vont ensemble. Et toi, du coup, c'est un 3 qui va être tout seul pour l'instant. Ok. Et ensuite, dernier. Ah, il est cassé. Hop là. 3 et 2. Donc moi, ça va être forcément la valeur plus petite. Donc c'est un 2 que je vais mettre ici. Et lui, ce sera un 3 qu'il mettra ici. Voilà. Normalement, on a tout fait. Donc là, il va falloir compter les points. C'est là où ça va être un peu compliqué. Alors, je vais essayer de compter pour max. Donc déjà, on va faire les suites. Voilà, les suites, c'est ce que je cherchais. Donc là, on a un 4, 5. Donc ça fait 6 points. Donc 6 points. Ensuite, là, on a 1, 2. Donc ça fait 3 points. Ensuite, on a encore un 4, 5. Donc ça fait 6 points. Ensuite, on a 4, 5, 6. Donc ça fait 6, 7, 8 points. Ensuite, on a un 5, 6. Donc ça fait 7 points. Ensuite, on a 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. On va faire 8 ici. Ensuite, on a enfin 2, 3, 4. Donc ça fait 4, 5, 6. Ok. D'accord. Donc là, il faut que je fasse la somme. Et ensuite, on va compter les regroupements. Donc les regroupements, les 5. Là, il y a 5 et 5 et 5. Ça fait 6. Hop. Bon, j'écris pas très bien, mais c'est tout petit. Ensuite, il y a ici 4 et 4. Donc ça fait 5. Ensuite, là c'est des suites. 6, 5, 6. Ah là, il y a 2, 2. 2, 2, 2, pardon. Donc ça fait 2, 3, 4. 4 points. 4 points. 4 points. Et ensuite, 3, 3, ça fait 4 points. Ensuite, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et il n'a pas de points négatifs, je crois. Donc, on va pouvoir faire la somme. Max, il a combien? Alors, attendez, on va prendre la calculette. Parce que... Je suis désolée, c'est pas très drôle pour vous. Mais parce qu'en plus, vous ne voyez pas. Je suis obligée de rapprocher tout de mon visage. Mais pas trop le choix, là. Pas trop de solution. Donc 6 plus 3 plus 6 plus 8 plus 7
plus 8 plus 6, ça fait 44. À côté. Il a 6 plus 5 plus 4 plus 4, 19. Hop. Ok. Est-ce que j'ai oublié des choses? Attendez, je vais juste prendre... oui, mais elles sont dessous. Je vais juste prendre une autre fiche de Max pour essayer de voir. C'est pas marqué, je crois que j'ai... Oui, Max. Voilà, Max. Ah, Max, il a aussi les observations, je crois. A priori. Donc, on va lui compter aussi les observations. Ok. Donc, les observations, c'est quoi? C'est 0, 6, 3. Donc, 0. Mince. 6 et 3. Alors, combien il a de 3? Tac, 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 tac. Il a 1, 3. 2, 3. 3, 3. 4, 3. Il a 1, 2, 3. 4, 3. Et combien il a de 6? 6, il en a 1, 2, 2, 6. Donc ça fait combien? 2, 6. 2, 6, ça fait 4 points. 4 points et 8, ça fait 12 points. Ok. Du coup, 29, 31. 31, ça fait 75, je crois. Je crois qu'il a 75. On va compter pour nous. Donc, déjà, les observations. Pour 0, j'ai fait 2 observations. Bon, bah, c'est 0. Ok. Ensuite, 3. 3, je suis arrivée à l'avant-dernier. J'ai 10 points. Et le 6, je suis allée au bout. 10 points. Donc là, déjà, j'ai 20 points. Ensuite. On va compter les suites. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai un 2, 3. J'ai un 2, 3 ici et un 2, 3 là. Donc ça fait 3, 4, 3, 4. Donc ça fait 4, 4. Ensuite. Ensuite, j'ai encore un 2, 3 ici et un 2, 3 ici. Donc ça fait encore 4 et 4. Et ensuite, j'ai juste un 6, 5. Donc ça fait 7 points. Pas beaucoup. Ensuite, les regroupements de chiffres. J'ai 3, 4, 5. J'ai un 5. Ensuite, les 6, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai 12. Les 0, bah j'ai 1 0 et 2 0, donc ça fait 1 point. J'ai 1 point, ensuite les... Non, ensuite les 2, j'ai 2, 3, 4. J'ai 4. Ensuite, j'ai 3, 4, 5. Ensuite, j'ai 2 et 1, 3. Et j'ai pas de valeur malus. Et lui non plus, il avait pas de valeur malus. Attendez, je vais juste vérifier. Mais je lui ai compté ses points, donc tant pis. Tout était compris dans quelque chose. Hein. Ouais, je pense. Donc, moi j'ai quoi? 8 et 8, 16. 16. C'est des 4, oui, c'est ça, c'est des 4. Hein. Ça fait 23, je crois. Et ensuite à côté, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 et 10, ça fait 30. Donc ça me fait 30 plus 20, 50, 60, 73.
Moi, j'ai 73, alors que Max, il a 75. Donc, c'est Max qui gagne à 2 points près. C'était serré. C'est serré. Mais du coup, comme j'ai fait 12 au niveau de l'observation, on va pouvoir ouvrir. Et on va pouvoir, hop, voilà, sortir les nouveaux éléments. Donc, on va juste mettre ça sur le côté. Hop. Et on va regarder ce qu'on a. Donc on a un nouveau terrain. Un gros paquet de blocs encore. On voit qu'on a encore de l'observation. Ça c'est toujours pareil. Ah ici j'ai l'impression qu'il y a moins de cases. Là on est que sur... Ah non, 5 sur 4. Ah non, c'est la même chose. C'est la même chose. À part qu'en bas, j'ai l'impression qu'on a des bateaux ici. Et là, on a un autre symbole. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des nouveaux trucs à observer. On a ces plantes. On a ce truc-là. Alors, je vais voir après parce que j'arriverai pas à dire. Ouais, là, on peut observer des plantes, a priori. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça, c'est à coller dans la... Je dirais que c'est des autocollants à mettre dans... Hop, dans les règles. Mais on va d'abord lire ce que ça nous raconte. Donc. Le radeau des signes. Lorsque vous utilisez une opération avec le symbole radeau, là, vous pouvez inscrire le résultat dans n'importe quelle case jungle sans avoir à respecter la règle de connexité. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut la mettre n'importe où. D'accord, ça j'ai compris. Ça c'est bien, d'accord. Et ça, donc les plantes carnivores. Lorsque Max découvre une plante carnivore, il remplit sa ligne d'observation en inscrivant les points de score dans le sens inverse. D'accord. Donc c'est-à-dire que... Ok. Donc dans le sens inverse, c'est-à-dire que lui, il va commencer par 0, 3, etc. Il va augmenter. Alors que nous, on va dans ce sens-là. Donc quand on la découvre pour la première fois, on gagne plein de points. Et après, plus on la découvre, plus on perd des points. D'accord. Ok. Ok. Donc ça, c'est assez clair. On va lire ce qui est écrit sur la règle ici. Vous vous enfoncez dans la jungle. Vos déplacements ont de plus en plus de difficultés. Il vous faudra faire preuve d'audace et de courage. La faune comme la flore ont décidé de ne pas vous rendre ce périple facile. Du nouveau contenu, ouais, d'accord, incarné, d'accord, 4 cartes plantes, carnivores, ok, les règles du radeau de Sim, ok. Très bien. D'accord. Donc, je regarde un petit peu, mais je pense que j'ai compris. Découvrez les espèces, vous avez, non. Plantes carnivores, un parfum, ok, toxique. Et donc, préférable d'éviter... qu'elle soit en trop grande quantité dans votre périmètre d'exploration. Ouais, ouais, d'accord. Jouez avec les plantes carnivores. Mélangez les cartes plantes carnivores avec les cartes observation, d'accord. Lorsque vous révélez, elles fonctionnent comme les autres cartes observation. Mais attention, plus on observe, moins on marque de points. Oui, ça c'est logique, ça j'ai bien vu, oui. Ok. Ok, donc le dirigeable là. Les explorateurs, on a un petit dirigeable, ouais, d'accord. Qui est, Ok, oui, d'accord. Lorsqu'un résultat est issu d'une opération avec le nanana, inscrivez le résultat dans n'importe quelle case jungle sans avoir respecté les règles de connexion. Coller les tickets trouvés dans cette enveloppe, voilà, un emplacement prévu du manuel de l'aventurier. Oui. D'accord.
Bon, je le collerai pas tout de suite parce que voilà. Ensuite, là je crois que c'est la spécificité pour Max. Ouais. Max aime les plantes, ok. Connaît la jungle mieux que quiconque, blablabla, on s'en fout. Ensuite, je vous une plante carnivore. Il remplit la ligne de perception en inscrivant les points de bonus en sens inverse. Donc plus il trouve de plantes carnivores et plus il marque de points. D'accord, ça c'était marqué. Coller le sticker, ouais, ok, d'accord. Enveloppe 2. Après quelques parties dans la mangrove, repartez en exploration afin de découvrir le contenu de l'enveloppe aventure 2. Pour cela, vous devrez réussir à réaliser un sentier sans quoi ? Sans poisson, d'exactement 4 cases dans des cases fleuves. Sur n'importe quelle fiche Amazon disponible. D'accord. Faut faire un truc de 4 sans marquer le piranha. Donc ça veut dire que il faut utiliser ces trucs qui sont là. Ok. Ben écoutez, on va essayer de le faire, je pense. J'ai compris sur le principe ça. Ah, attendez, on va quand même regarder le livre. C'était quoi déjà qu'il fallait prendre pour coller les étiquettes? Ça, je pense que ça va là. Ouais, ça a l'air d'être ce symbole-là. Bon, vous allez voir la qualité de mes collages. Déjà, je vais... Ah bah super. Ok, bon. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de coller à peu près correctement. Oui, c'est pas collé du tout correctement. C'est pas grave. On se comprend. C'est bon. C'est pas trop au bord. Alors, est-ce que c'est là-dedans qu'il faut coller l'autre truc? Non, c'est pas là-dedans parce que c'est ce qu'on vient de recevoir. Ça doit être là-dedans, j'imagine. Donc là, il y a un petit symbole. Hop. Non, c'est peut-être pas là-dedans. Ça doit pas être là-dedans. Ça doit être là-dedans. Non, ça doit pas là-dedans non plus. Ça doit être là-dedans. Allez, viens là, toi. Alors. Ah, ça doit être là. Est-ce que c'est ce symbole-là? Ça ressemble. C'est un peu petit, donc bon, je suis pas sûre à 100%. On va dire que c'est là. Tac. On colle un petit peu n'importe comment. Voilà, c'est collé. Tac. On a compris les règles. Tac. Donc on va sortir l'autre pochette. Je vais la mettre ici. Et on va essayer de voir si on peut faire... Après, là, il y a beaucoup plus de possibilités de faire un chemin de 4. Attendez. Non, c'est toujours du 4, hein, donc de toute façon... Ok. Donc, je vais juste relire. Je suis un peu nulle, mais je préfère relire exactement ce qu'on me demande. Ça, il faut que je le mette comme ça. Donc on me demande. Réaliser un sentier sans piranha d'exactement 4 cases dans des cases fleuves. Ok, donc faut faire 1, 2, 3, 4 ou ce genre de choses quoi. Ok, ouais, ça va être pas évident. Bon, on va essayer quand même de faire ça. Ok. Donc, on va mettre les cartes comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, je vous avoue, de gagner ou perdre contre Max, je m'en fiche un peu. Je veux surtout essayer de faire l'objectif qu'on m'a donné.
regarde juste un petit peu. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Mais il va falloir être. Ouais. Ça devrait pouvoir le faire. Ah, mais non, parce qu'en plus. Il faut à chaque fois que ce soit le max de la valeur. Oh, mais c'est impossible. C'est impossible à faire ce truc. Bon, on va voir. Donc, 1, 2, 3. Tac. Là, je prends mes petites cartes. Je retourne. Tac, tac, tac. Comment on peut faire un chemin de 4? Ça va être compliqué. Ah, attendez, parce que les dirigeables... Est-ce que le dirigeable, on peut faire dans l'eau avec le dirigeable? Non, je pense que... Ils le disent pas, en fait. Alors, attends, on va reprendre la règle pour regarder. Alors... D'abord, on va révéler les chiffres. Ça, c'est un 1. Un 6 encore. Et un 0. Ok, bon. Alors, reprenons la règle. La règle du dirigeable. Bon, ils n'en parlent pas. Donc j'imagine qu'on peut pas. On va voir. Voilà. Ok. On va commencer à lancer les dés. On va voir. 4. Bah écoutez, hein, on va prendre la valeur supérieure. Et on va... logiquement... J'essaye de viser un 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Donc on va partir sur un 4 ici. Donc lui ça va être... Ah mince Max. Bon Max, tu vas prendre cette feuille là, c'est pas grave. J'en ai qu'une ou deux. Non c'est bon, il y en a qu'une. Donc Max, toi aussi tu vas mettre un 4 ici. Est-ce que j'ai... Non j'ai pas de 4 ici, donc on s'en fout. Ah, on va encore prendre le max. Ah mince. Bah non, donc max. Bon, c'est pas grave. Max. Moi, je mets un 5 ici. Toi aussi, tu mets un 5 ici. Donc tous les deux, on fait un chemin entre 4 et 5. Ouais. Il y a un 6. Oh punaise. Max. Mon très cher Max. Il nous manque plus qu'un 3. En maximum. Donc ça va être compliqué. Hein. Ok. 6. 6. Moi j'ai un 6. On a tous les deux un 6. Donc qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est une plante. C'est une plante. Donc Max. Max pour le 6. Tu es ici. Et moi pour le 6. Je suis ici. Ok. Allez, maintenant il nous faut un 3 en valeur supérieure. Oh punaise, c'est un 1. Bon, on va faire. On va faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une... Ah mince, c'était chaque fois le plus petit. Ouais, bah oui, mais là c'était pas le plus petit avant. Je viens juste de voir le truc. Eh oui, regardez, en fait. C'est bien ce qui me semblait. Il y a moins de lignes, je crois. Hein. Ah non, c'est juste que c'est pas au même endroit. Ah mince, 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 mince.
Oh, j'ai pas envie de recommencer en fait. Attendez, plus que dire. Pourquoi j'ai pas saisi les trois? Tant pis, bah, on va dire que c'est les. On inverse ces deux lignes là. Juste pour tenter là, parce que sinon, il faudrait refaire tout. Donc tant pis. Ça va me compliquer la vie. Mais on va essayer quand même. Donc là, j'avais dit que moi, je voulais faire une somme ou une soustraction. Donc on va juste faire une petite flèche pour indiquer qu'en haut, c'est la valeur la plus grande et là, la valeur la plus basse. Donc là, 1 moins 0, ça fait 0. Hein. 1 moins 0, ça fait 1, pardon. Donc je vais mettre le 1 ici. Donc toi, tu vas mettre un 1 aussi ici, comme moi. Faudrait un 3 en max, ça va être dur, mais on va essayer. Alors. On va prendre du coup la plus petite valeur, c'est le 3. C'est le 3. Le 3. Ah, on a fait un 1 et on n'a pas révélé. Alors attends. En fait, je mets d'abord mon 3 quelque part. Bon, au cas où, je vais mettre le 3 ici. Donc toi, tu vas mettre le 6 ici. Et ensuite, il faut qu'on révèle tous les deux, puisqu'on a tous les deux un 1. Donc un 1. Tu coches ici, moi le 1. Je coche ici. Allez, il faut un 3 et un 2 ou un truc comme ça. 2, 2 et 2. Ça fait 4. Bah, je vais faire un plus. Ouais, j'aurais dû faire multiplier en fait. Tant pis, j'ai coché. On va faire un 4 ici. Hop. Et Max, lui, il va mettre un 2. Donc, il va faire ça. Moi, du coup, ouais, c'était un 4. Donc, non, ça faisait rien. Allez, il faut un 3, s'il vous plaît. Oh, 1 et 2. Punaise. Punaise. Bah du coup, je vais prendre un multiplier pour mettre un 2 ici. Et toi, du coup, Max, tu vas mettre aussi un 2 ici. Ok. Allez, il faut un 3 et un 1, un 3 et un 2. C'est un 4. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais du coup? Parce que là c'est de l'eau. Et moi je vais faire un 3 ici. Donc 2. Ouais, je vais mettre un 4 ici. Alors, tant pis. 4. Donc du coup, je fais multiplication. Hein. Je fais multiplication. Je fais multiplication. Et du coup, toi, tu fais aussi un 4 ici. Fais comme moi, hein, Max. Allez, je veux un 3. Un plus grand 3, s'il vous plaît. Non! 4 et 5. Je prends la plus petite valeur, c'est un 4. 4 en haut. Lui, ça va être un 5 en haut. Donc ça fait 4 et 5, ça se regroupe. Allez. 5 et 4 encore. Eh ben, écoutez, moi je vais encore prendre la plus petite. Hein. Donc je vais prendre un 4. Et lui il va reprendre un 5. Tac. Allez, s'il te plaît, un 3. Un 3. C'est pas possible. Ok, bon. Je vais prendre une soustraction. Ça fait un 2 que je vais mettre là. Max, toi tu vas mettre un 6. Hop. C'est pas possible. 4 et 2 encore.
Donc je vais encore faire une soustraction. Ou alors je mets un 6 ici. Non, je vais faire une addition. 4 et 2, 6 que je vais mettre ici. Et toi, tu vas mettre un 4 ici. Ok. Allez, attendez, parce que j'ai mis un 6. Oh punaise! Bon, attends, je vais refaire ça après, c'est pas grave. Non, oui, parce que moi j'ai mis un deuxième 6, donc le 6, tac. Je revérifie, j'ai qu'un seul 1, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 5 et 3. Ça fait 8. Ça fait 3. Ça fait 2 si je fais une soustraction. Donc on va mettre encore un 2 ici. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais toi, je vais te mettre un 5 ici. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, 6, 5, 5, 4. C'est pas bon, ça. Allez, un 3. Oui. Oui. Je peux prendre la valeur max. C'est un 3, ici. Dans l'eau. Mince. Oui, bah lui, de toute façon, c'est pareil. Lui, il prend un max ici. Et moi aussi, je prends un 3 ici. Et du coup, ça fait bien 3, 4, 5, 6. Yes, c'est bon. J'ai fait mon objectif. C'est bon, je m'en fous. Je pense que je me suis même compliqué parce que normalement c'était les plus petites valeurs, pas les plus grandes. Bon, bref, on s'est débrouillé. Je peux vivre en paix maintenant. Ok. Et d'ailleurs, quand je faisais ça, j'aurais pu les mettre n'importe où. Et je l'ai pas fait. Un 3. Un 3. Ah oui, mais là. Ah, attendez, je vérifie. Donc là, tout ça, c'est ça bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et que mon 1, là, qui est tout seul, il va me faire 4 points en moins, le 1. C'est sûr. C'est sûr, donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que là, si je fais la multiplication, ça fait 0. Sinon, il faut que je perde 5 points. Là, je perds déjà 5 points. Est-ce que je perds 10 points? Non, on va pas. On va faire une multiplication. Tant pis. 3 fois 0, ça fait 0. Et je me mets. Je me mets là pour faire un 0. Je mets mon 0 là. Du coup, Max, lui, il met un 3 ici. Ok. Ah, et quand on fait 0, on révèle le truc là. Donc, moi, hop. 0, hop. Je coche 1. Alors je regarde juste le 0, j'en ai qu'un. Un 1, je crois que j'en ai qu'un. Et un 6, j'en ai 2, je crois. Ouais, c'est bon. Et Max, je regarde juste pour Max. 0, il en a pas. Il a un seul 1. Il a 1, 2, 3, 6. Et lui, il a 3, 6. Hop. Il a 3, 6. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Un 6 et un 3. Un 6 et un 3. Donc, soit le plus petit, soit une soustraction. Ça revient au même. Soit une addition, ça non. Je vais prendre la soustraction. Donc ça me fait un 3 que je vais mettre ici. Ici, et Max, lui, il va mettre un 6 encore. C'est ça, hein ? Ouais, 6. Et hop, un de plus pour Max. Ça, c'est pas cool. 1 et 5. Parfait. Parfait. Je vais mettre la plus petite valeur, le 1. Donc le 1, je vais le mettre là. Comme ça, ça me fait une liaison entre mon 0 et mon 1. Max, lui, c'est un 5. Ici,
Le 1, moi, ça me permet de cocher 1 sur mon truc. Là, il y a 2 et 0. Bah, parfait. Parfait. Je vais faire plus. 2 plus 0, ça fait 2. Ça me permet de connecter le 1 avec le 2 et le 2 avec le 3. Et lui, il a un 2. Ici. Ah bah c'est bien, lui, il a rien qui va ici. Il va perdre des points. Hein. Il va perdre des points. Ensuite, il me reste encore 2 trucs à saisir. 1 et 5. Ah là là. 1 et 5. Bah, je vais faire la multiplication pour le mettre ici. 5. Max aussi, il va avoir un 5 ici. Et dernier. 6 et 3. Bon, c'est une addition, je crois. Ouais, ça fait 9. Aïe, 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 on va perdre des points là. 9 ici. Et Max, il a un 6. Mince, Max. Max, il a ça. Et Max, du coup, il a encore un 6 supplémentaire. Donc, je vais vérifier juste combien. Alors, Max, il a pas de 0, je crois. Je vais juste vérifier son nombre de 1 et de 6. Il a 1, 1. Ouais, il a un seul 1. Et des 6, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc, on va compter les points pour Max. Donc, lui, il est à l'avant-dernier, enfin, au deuxième. Donc, il a 12 points en haut. Ici, 12 points. Et pour les 1, il est au premier. 12, 12 et 3, 15. Donc, il a déjà 15 points ici. 15 points. Ensuite, on va chercher les suites. Donc là, il y a 5, 6. Donc, ça fait 6 et 1, 7. Ensuite, là, il n'y a rien. Il a 1, 2. 1, 2, donc ça fait 3. Ensuite, il a 4, 5. Donc ça fait 6. Ensuite, il a comme moi 6, 5, 4, 3. Donc 6, 7, 8, 9. Ensuite, il a 4, 5, 6. Donc 6, 7, 8. Et je crois que c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ensuite, on va faire le regroupement des chiffres. Donc là, il y a 2, 5. Donc 5 et 1, 6. Ensuite, là, il n'y a rien. 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 Ah, il avait 6, 5, 4, 3, 2. Donc en fait, il faut que je le rajoute. Plus 1, voilà, je rajoute juste 1. Et c'est tout ou c'est tout? C'est tout. C'est tout, je crois que c'est tout. Ok. Et ensuite, est-ce qu'il a des trucs isolés? Oui. Là, le 6, il est tout seul. Le 3, il est tout seul. Le 6, il est tout seul. Le 5, il est tout seul. Le 2, il est tout seul. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait moins 25. Moins 25. Donc là, 10, 20, 28, 34, je crois. 34 et 6. Donc ça fait 40, 55, 55 moins 25, ça fait 30. Il a que 30 max. Donc là, je vais mettre max. Enfin, il a que 30. Je sais pas combien je vais avoir, mais... Alors, moi, il faut que je revoie. Combien j'ai de 6 6, 6. J'ai 1, 6, 2, 6. Non, j'ai l'air d'avoir que 2, 6. Les 1, c'est pareil, je crois que j'en ai que 2. 1, 2. Ouais. Et des 0, j'en ai 1. C'est ça. Donc, le 1 point, ça me rapporte combien? Je suis deuxième. Donc, 6 points plus le 6, je suis deuxième. Donc, 12, ça fait 18. Et le 0, je suis au premier. 0, 18, 19, 20, ça me fait 30 points.
4 en points. Ensuite, mes suites. Alors, là j'ai 0, 1, 2, 3. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai 4 et 3. Donc ça fait 5. 4 et 3, ça fait 5. Ensuite, j'ai 6, 5, 4, 3. Ah, j'ai eu le 2 aussi. J'ai eu le 2 aussi. Donc 6, 7, 8, 9, 10. 10, et c'est tout, je crois. Ouais. C'est tout. Donc là, ça ferait 11 et 10, 21. Ensuite, le même regroupement des chiffres. Donc là, j'ai 4, 4, 4. Donc ça fait 4, 5, 6. Donc j'ai 6. Ensuite, là, j'ai 6 et 6. Donc ça fait 7. Là, j'ai 2 et 2. Ça fait 3. Non, j'ai 2, 2, 2. Donc ça fait 4 même. Si j'ajoute 1. Je crois que c'est tout. Donc ça fait 17. Et combien j'ai de points en moins? J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 éléments qui sont regroupés à rien. Donc ça fait moins 15. Donc ça me fait 30, 40, 51, 61, 68, 68, 58, 53. J'ai 53 alors que Max a 30. Donc là, c'est moi qui gagne largement. Je suis désolée, vous avez peut-être pas vu grand-chose parce que il faut toujours que je rapproche de mon visage. Mais en tout cas, j'ai gagné largement. Et on a réalisé l'objectif qui était de faire un chemin de 4 sans activer de piranha. Donc on va pouvoir ouvrir la deuxième, la deuxième enveloppe. Allez, on va l'ouvrir tout de suite parce que moi j'ai envie. Hop, ça il faudra que je le jette. On va voir sûrement d'autres trucs encore. C'est parti. Hop. Ok. Donc, on a l'explication et le bloc, mais en priori on n'a pas de carte en plus. Alors, il y a des choses qui ont l'air de changer quand même. Là on voit que la réparation des bateaux, etc. C'est un peu partout, c'est pas sur une seule ligne. On va voir qu'est-ce qu'on nous raconte. Donc on est sur la trace d'une cité perdue. Un avion s'écrase dans la jungle amazonienne. Votre connaissance du terrain sera un atout indéniable pour les sauveteurs. Vous partez en mission pour aider à retrouver un maximum de survivants et à récupérer les fragments de l'appareil. D'accord ? Il y a donc dans cette enveloppe que un carnet de fiches Mayday et des règles spécifiques correspondantes. Ok. Donc les survivants. Donc zone les survivants. Ok, c'est une zone rouge. Ok. Alors note, il n'y a pas de score d'observation sur cette fiche. Ok. Les effets de. Les efforts de tous sont entièrement dirigés vers la recherche de survivants. D'accord. Donc la zone survivant. Le calcul des zones est spécifique à cette fiche et remplace le système classique. Chaque zone permet de retrouver un certain nombre de survivants. D'accord. Le nombre de survivants dépend du nombre de cases de la zone et ce, quelles que soient les valeurs utilisées dans les cases de cette zone. Vous calculez le score des zones grâce au tableau suivant, qui remplace le calcul normal des zones. D'accord, donc une suite... Ah non,
c'est des les mêmes valeurs dans une zone. Donc si on a 3 mêmes valeurs, 4 mêmes valeurs, 5 valeurs, ou 10 valeurs ou 11 valeurs, ça fait 54, d'accord, ouais, d'accord. Ainsi, une zone de 6 cases permet de retrouver 15 survivants et donc de marquer 15 points, d'accord. D'accord, d'accord, bon ça je pense que c'est du texte très important. Ensuite, sentier. Les morceaux d'épave, ok. Vous marquez des points de sentier comme décrit dans le manuel de l'aventurier, ok. Mais chaque sentier ajoute un bonus supplémentaire qui correspond au nombre de morceaux d'épave de l'avion par lequel il passe. D'accord. Alors ça, il faut que je vois sur l'affiche parce que où est-ce qu'ils sont les morceaux d'épave? Non, il n'y a peut-être pas de morceaux d'épave. Ah d'accord, en fait ça dépend, je pense que si en fait j'ai encore une suite de 2, ça fait un morceau d'épave. Non, il n'y a pas un exemple, il y a un exemple dessous parce que là, je comprends pas très bien. Exemple, un sentier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incluant 3 morceaux d'épave, rapporte 8 points, le nombre de le plus élevé, plus 7.1 points pour chaque case du sentier, plus 30 points, 3 morceaux d'épave. Ouais, mais où est-ce que tu les trouves, les morceaux d'épave? Attends, ça doit être marqué sur le truc à côté. Ah oui, c'est ça, les morceaux d'épave. D'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Son total de 45 points pour ce sentier. Joli score. Ok. Ça n'a pas l'air facile, hein. Max, le survivor. En solo, l'affiche Mayday, Max score de la même manière que vous. Et suit les règles classiques du manuel du baroudeur. Autant dire qu'il continue de suivre ses propres règles. Mmh. D'accord. Une caisse en bois. Lors de vos recherches, vous tombez sur une caisse de transport en bois qui appartenait sûrement à l'un des passagers. Le couvercle est orné d'un étrange soleil. Un calendrier solaire? C'est bizarre. Elle est impossible à ouvrir. Elle semble scellée. Ok. Repartez en exploration afin d'ouvrir cette caisse et en découvrir tous les secrets. Pour cela, sur l'affiche Mayday, fraîchement découverte, vous devez sauver au minimum 45 survivants répartis sur plusieurs zones et chaque morceau d'épave doit faire partie d'un sentier. Ah ouais. Ok. Alors déjà, on va regarder le sentier là, les morceaux d'épave ils sont où parce que... Donc il y a un morceau ici. Il y a un morceau ici, il y a un morceau ici, il y a un morceau ici. Ça doit faire partie d'un seul sentier? Non, c'est pas possible. Sauver un maximum, au minimum, pardon, 45 survivants. Ouais, ça c'est réparti, d'accord. Et chaque morceau d'épave doit faire partie d'un sentier. D'accord, non, c'est pas un seul sentier, c'est juste qu'ils doivent être tous sur des sentiers et pas sur des zones, d'accord. D'accord. Je vois. Est-ce qu'on s'arrêterait pas ici pour ce soir? Ou est-ce qu'on continue et qu'on essaye de faire ça? C'est une bonne question. Je vais aller juste regarder. Mon live, ça fait combien de temps qu'il a démarré? Est-ce que je peux le savoir, ça? 1 heure. Ok. Bon, on va essayer. On va se faire une petite partie. On va essayer. Donc, il faut faire max à côté.
Alors le problème c'est que comme c'est petit, pour repérer les épaves, c'est ça qui est un peu compliqué pour moi. Non, on va peut-être s'arrêter là en fait. On va peut-être s'arrêter là parce que je vais peut-être essayer de faire une photocopie en agrandissant la page parce que là c'est vraiment petit. Et là il faut un peu plus se repérer pour voir 1, 2, 3, 4 et 5 épaves je crois. Je vais juste revérifier. Voilà, il y en a 4. Moi j'en vois 5. Ça m'a l'air compliqué. Ouais. Je pense pas de toute façon que ce soit possible de faire le sentir. Alors j'essaie juste de t'imaginer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Non, mais on peut pas aller plus que 12. Donc, il n'y a pas un chemin en 12 pour regrouper tous les morceaux. Donc, il faut forcément faire plusieurs chemins. Mais on peut essayer de faire un chemin, par exemple, avec ces trois-là. Ou ces trois-là. Et voilà. Ouais, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce live. Je sais pas si je vais faire un autre live ce soir. Là, je vais faire une petite pause parce que je suis un peu fatiguée. Et on se retrouve soit demain pour Try Machine, le défi quotidien, sinon on se retrouve pour un prochain live, jeu de société. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.